Salut! Hey, je reviens de 4 jours en Ouzbékistan et j'ai pu filmer la cuisine du restaurant le plus réputé dans la préparation de leur plat national. Pas mal, toute l'Asie centrale en mange, mais il y a comme un consensus pour dire que les Ouzbeks, c'est les meilleurs pour le préparer. Le resto, c'est que j'étais, ne fait que ça. Les chefs là-bas, il y en a que ça fait 20-25 ans qu'ils travaillent à améliorer leurs recettes. Je vais vous montrer le plov que nous autres, on connaît sous le nom pilaf. Ça aurait même l'air qu'Alexandre le Grand en aurait bouffé, puis que ça s'est fait connaître parce que leurs soldats apportaient la recette avec eux. Le plov, tu peux le trouver n'importe où. Comme par exemple, le monsieur qui est là, il le vend n'importe où. Mais je vais surtout parler de celui du Beshkazan, qui est le restaurant le plus réputé comme étant le meilleur pour faire le plov. Quand tu rentres dans la cuisine, ce qui frappe, ben c'est sûr, c'est la taille du kazan. Parce que le bol s'appelle le kazan. Ils vont faire fondre, pardon, du gras d'agneau. Ça va être la base du bouillon dans quoi ils font cuire le riz. En fait, quand tu rentres là, ça sent tellement bon à cause de la viande, du gras, du riz puis des légumes avec le bois brûlé que personnellement, je me suis dit que j'aurais aimé ça sentir le plov. C'est une odeur que j'aimerais avoir. J'ai demandé à un des cuisiniers si, quand ils termineraient leur journée, si je pourrais prendre un bain dans leur plus grand casan. Puis ben, à ma grande surprise, non seulement il n'a pas trouvé ça drôle, mais il était extrêmement insulté. Il m'a dit que son casan, c'était pas un incinérateur à déchets, que j'étais un humain de trop. Il m'a dit qu'il avait envie de me frapper, mais qu'il me touchait en cuisinant, ce serait un gros manque d'hygiène, comme s'il irait colmater une fuite à la fosse septique du restaurant, puis reviendrait en cuisine sans se laver les mains. Il m'a dit qu'il était un fier cuisinier musulman, qui cuisinait pour des bons musulmans. Ici, on a tous les légumes qui cuisent. C'est principalement des carottes de plusieurs couleurs. Un peu de poivron. Je ne sais pas si on met les raisins secs dedans, mais c'est du raisin sec. Alors, il m'a dit qu'il était un fier cuisinier musulman qui cuisinait pour des bons clients musulmans, puis que si par quelconque sacrilège, une espèce de porc comme moi entrait dans un de ses casans, la seule purification possible, ce serait de faire brûler le restaurant en entier avec tous les ordres de l'Ouzbékistan. Ça amènerait probablement le pays à sa perte, mais ce serait tout de même plus positif que de continuer à vivre avec la souillure que j'aurais commis. Il m'a dit que j'étais une merde de coprophage, que je couperais l'appétit à un scatophile, qu'il faudrait un human centipede. Puis ça m'a étonné qu'ils connaissent le human centipede, mais ouais, il m'a dit que ça prendrait un human centipede d'au moins 1000 personnes pour créer un minable résidu comme moi. Il m'a crié fistule, chancre mou, abcès, crème Bodwick, volcan de Pyorée, gale de lépreux, kyste, pustule. Il m'a traité d'infection humaine. D'habitude, j'ai une bonne carapace contre les insultes, mais là, le fait que je vais faire un effort en utilisant mon traducteur pour comprendre, ça rendait tout plus pénible. Et toute la lenteur à laquelle je comprenais les insultes, ça rendait ça plus dur à encaisser. C'était comme une lame d'insultes qui se plantait tranquillement, mais toujours plus profondément dans mon estime personnelle puis mon amour propre. Il m'a aussi dit, il m'a dit de pas bouger. Ça, c'est de la langue. Il m'a dit de pas bouger. Il est allé chercher un verre d'eau, puisque à force de me crier après, ça lui a donné soif. On peut voir ici, c'est des bons morceaux d'agneau, ça. D'ailleurs, ça goûte pas fort l'agneau. C'est du très bon agneau. Je sais pas trop comment il fait ça. Encore des beaux morceaux, on peut voir qu'il découpe. Ouais, après avoir bu un petit peu, parce qu'il avait la gorge sèche, il m'a suggéré de me suicider. Il m'a dit que mes proches faisaient semblant de s'intéresser à moi par politesse, mais que si je me suiciderais, ce serait la seule façon pour moi de créer un peu de joie. Il m'a dit que ma mère aurait plus besoin d'avoir honte si je me suiciderais, puis qu'il y aurait probablement des célébrations qui auraient lieu un peu partout, c'est que mon ignoble personne aurait mis les pieds au cours de ma vie. Il m'a dit que même si j'étais la chose la plus sale, la seule vraie douche que je méritais, c'était une pluie de crachats ininterrompue. Ça ici, ils mettent des assiettes par-dessus le gras, par-dessus le riz pour deux raisons. Ça peut être soit pour garder la vapeur, pour que le riz cuise un peu plus uniformément au-dessus aussi. Et puis, ou bien c'est quand le feu s'éteint pour le garder chaud plus longtemps, ça conserve un peu de chaleur. Ouais, il m'a dit que la seule douche que je méritais, c'est une pluie de crachats ininterrompue par toutes les gens que j'avais croisés dans ma vie. Qu'un mouvement devait se créer pour convaincre la NASA de m'expédier en dehors de la planète, parce que même mort, je serais une source de mépris radioactif, puis que je ne méritais pas une décomposition terrienne. Bon, je me souviens pas tout de ce qu'il m'a dit, mais dans la grosse ligne, c'était ça. Sinon, le repas, toujours servi avec deux œufs, un œuf de poule, un œuf de caille. En haut, on voit un morceau de langue.
ceux qui n'ont jamais goûté la langue, allez-y, c'est super bon. C'est le morceau le plus facile à manger dans les bizarres, tendre au bout. Salade bien basique, tomate, vinaigre, oignon, basilic. Le breuvage est écœurant, ils appellent ça compote. C'est juste cerises bouillies dans de l'eau jusqu'à temps qu'ils soient défaites. Ils filtrent ça, ils mettent ça frais. C'est sucré, c'est bien bon, facile à boire. Le rouleau qui est là, c'est pas mal la même affaire que le riz, sans légumes, avec la viande dans des feuilles de vigne. Puis sinon, ben le riz, ben, c'est avec les carottes qu'on a vu bouillir, les piments, poivrons, pardon, super. Ça, ben, c'est des cook hall stars qu'on voit, du bien bon monde, super sympathique. À part celui à qui j'ai parlé le plus longtemps, je l'ai trouvé un petit peu irritable. On a une petite vue d'ensemble de la cuisine. Puis, ben, c'est ça. Je vous laisse avec une image du gars qui vient porter un chargement de bois au cuisinier parce que je trouvais que lui et sa voiture étaient magnifiques. Un beau duo.